Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur Audica, le titre Audica qui est à la peine ce mardi, qui plonge de 3,2% à 18,05 € pour se retrouver en position de lanterne rouge du SRD. Le spécialiste de la correction auditive corrige après la publication de son chiffre d'affaires semestriel qui est ressorti plutôt décevant et inférieur aux attentes du marché. Un marché qui n'apprécie pas non plus la révision de la baisse à la baisse de son objectif de chiffre d'affaires annuel pour ses activités transalpines. Sur les 6 premiers mois de son année, de son exercice 2011, Audica a réalisé un chiffre d'affaires de 56,3 millions d'euros, soit une croissance de 7,2%, dont 3,2% ont été réalisés en croissance organique. La France, qui est le principal marché d'Audica, reste le moteur de cette croissance avec une performance qui est plutôt en ligne et proche de celle réalisée au premier trimestre 2011. Pour le seul second trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 29,6 millions d'euros, soit en croissance de 6,1%, dont 2,5% ont été réalisés en croissance organique. Et compte tenu de la performance enregistrée au cours du premier semestre, le spécialiste de la correction auditive confirme son objectif de chiffre d'affaires pour ses activités hexagonales entre 106 et 110 millions d'euros, mais ajuste prudemment son objectif de cours. Son objectif de chiffre d'affaires pour l'Italie autour de 9 millions d'euros pour tenir compte du redémarrage un peu plus lent que prévu de l'activité en Italie. Du côté des analystes, Gilbert Dupont maintient son opinion à accumuler mais ajuste sa cible à 20,07 € contre 22 € précédemment après prise en compte des nouveaux éléments qui ressortent de son point d'activité semestriel. De lundi soir, le groupe de correction, de centre de correction auditive a déçu le courtier qui anticipait pour sa part des ventes trimestrielles à 30,5 millions d'euros. Et par ailleurs, il modifie en baisse ses perspectives à la lumière de la révision en baisse de son objectif de chiffre d'affaires 2011 pour l'Italie et ne confirme pas la prévision globale d'un chiffre d'affaires compris entre 115 et 120 millions d'euros. Le courtier table désormais sur des revenus annuels à 114,7 millions d'euros contre 118,3 millions d'euros qui intègre une croissance organique de 3% contre 5% précédemment. Le courtier ajuste également sa prévision de bénéfice net pour l'année 2011 à 1,16 € contre 1,21 € précédemment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Audica. À très bientôt sur Allo Finance.